J'avais préparé. Je savais quoi dire. Oh mon Dieu, elle ne comprendra pas, elle ne comprendra pas. Bien sûr qu'elle ne comprendra pas. Je dépasse son entendement. C'est une fille, toute sucrée, toute mielleuse, pleine de choses inutiles, sauf pour la cuisine. Moi, je suis plus que ça, bien plus que ça. Je suis plus que de la chair. Plus que du sang. Je suis... Je crois qu'il n'y a aucun mot du vocabulaire humain assez fabuleux pour me décrire. Oh, mon nom sera sur toutes les lèvres, à condition qu'on ne les ait pas arrachées. Mais il va falloir attendre. Mais peu importe. Je sais être patient. Les périmètres sont parfaitement sécurisés. Elle est exactement là où je la voulais. Tout comme toi, numéro 17. Tu as la place que tu mérites. Tu croyais qu'on te rendrait ton âme et que tu baignerais dans la félicité? C'est vite fait de perdre son âme. C'est pour ça que j'ai préféré vendre la mienne. Tu espérais sans doute pouvoir prendre ta vie en main. Et c'est respectable, mais... Mais tu ne le pourras jamais. Tu m'appartiendras toujours. Tu resteras toujours dans les ténèbres avec moi. Chantant toutes nos petites chansons. N'est-ce pas que tu les aimes, nos petites chansons? Et depuis toujours, William. Depuis le début des temps, on va revenir aux origines. Les véritables origines, ni le Big Bang, ni le Verbe, le commencement absolu. Les prochains mois vont être exceptionnels, et je suis certain que nous apprendrons sur nous-mêmes des choses passionnantes. Tu apprendras que tu n'es qu'un sinistre abruti. Si tu ne l'avais pas encore compris, regarde-toi à essayer de faire le bien. Tout comme elle, tu n'as toujours pas saisi. Ce n'est pas une question de bien, ce n'est pas une question de mal. C'est une question de pouvoir.